Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai fait un nouveau support de panneau solaire. Alors j'ai utilisé de la cornière métallique, alors je crois qu'elle est galvanisée, c'est pour ça que j'ai pas fait de soudure. Et en plus elle dispose de nombreux trous, donc j'ai utilisé des boulons. Et là j'ai fait un angle de 45 degrés pour l'hiver. Donc voici comment j'ai déterminé l'angle. Et maintenant je vais vous montrer la démonstration, la partie pratique. C'est la numéro 3 car j'ai déjà fait une version par calcul. Donc je vais utiliser le logiciel SketchUp, c'est tout de suite. Je vais vous montrer comment on peut déterminer les dimensions d'un support pour panneau solaire. Donc j'avais fait une vidéo et là je vais vous montrer une autre technique sans calcul. Pour faire cela, on va utiliser un logiciel. Donc c'est le logiciel SketchUp que j'avais présenté une fois. J'avais montré comment le télécharger gratuitement. Mais j'avais reçu certains commentaires qui montraient que ça marchait pas tout le temps. Donc je verrai pourquoi parfois on n'arrive pas à l'utiliser de façon gratuite. Donc moi je clique sur l'icône « Commencer à utiliser SketchUp ». Donc une fois que je suis sur le logiciel, je vais me mettre d'une certaine façon. Donc, je vais m'orienter comme ceci. Je vais prendre le crayon et tracer un trait. Donc après je vais me servir des outils de mesure d'angle. Donc je clique sur une extrémité. Je trace un trait. Et là, comme je souhaite un angle de 30 degrés, j'appuie sur 30. Donc, une fois que j'ai fait cela, je vais suivre mon trait. Et je vais m'arrêter à la hauteur du panneau. Ici, j'ai déterminé qu'il faisait 54 cm. Donc 54 car je suis en centimètres. Et après, je peux refermer l'ensemble. Donc, je vais prendre les mesures. Cinquante-quatre, 27 et 46,8. J'aurais pu me mettre en unité mètre, on peut changer dans la boîte d'outils. Donc je vais mesurer que je ne me suis pas trompé dans les angles. Par exemple, je veux bien mesurer que c'est un angle droit. Et donc angle 90. Et là, j'ai fait un angle de 30 degrés. Donc là, c'est pour l'été. Et pour l'hiver, on peut faire la même chose. Là, quelque chose que j'ai mal réalisé, j'aurais dû m'aligner sur le trait, la ligne rouge, ça aurait été un peu plus facile. Donc, pour l'hiver, on va mettre un angle de 45 degrés, par exemple. Donc, je vais déterminer avec le rapporteur. Donc, je vais m'aider avec le rapporteur. Je clique une fois. Une deuxième fois. Et là, je vais mettre 45 degrés, entrée. Donc là, je vais tirer un trait. Donc toujours, je vais le valider à 54 cm, la hauteur du panneau. Puis je vais fermer à mon angle droit. Donc je vais prendre les mesures. Donc je vais vérifier également que je ne me suis pas trompé dans les mesures. Si j'ai bien formé un angle à 90 degrés. 90. Et là, si tout s'est bien passé, j'ai 45. Donc là, ce que je peux faire maintenant. Je vais faire une copie d'écran. Donc je vais utiliser l'outil Windows. Nouveau. Je prends, je sélectionne. Copier. Entrée. Et là, je mets insertion, forme, un texte,
Donc je vais mettre été, angle de 30 degrés. Et également hiver, angle de 45 degrés. Donc je vais me servir du logiciel que j'avais, du tableur que j'avais conçu dans une autre vidéo. Donc avec un angle de 54 par exemple. On voit que pour l'été, 30 degrés, la hauteur du support doit être de 27 cm. Donc c'est exact. Et pour l'hiver, de 38,2 à 45 degrés. Donc il a arrondi. Donc on voit que ceci est exact. Donc la méthode Excel est plus fiable, on est sûr de ne pas se tromper. Mais la méthode SketchUp est plus rapide. Mais par contre, il faut être bien sûr de d'avoir fait des bons angles. Donc il y a toujours un petit risque d'erreur. Voilà, c'est plus joli, c'est plus graphique avec la méthode SketchUp. Voilà pour cette vidéo. Donc je partagerai peut-être le fichier Excel si j'arrive à le partager sur Google Drive ou sur une autre plateforme. Voilà.